Bonjour, ici Vincent Cadio. Je fais cette petite vidéo parce que hier, j'ai eu une conversation intéressante avec un jeune qui m'a arrêté dans la rue alors que je partais au guichet pour déposer un peu d'argent. Et il m'a demandé, mais Vika, pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu demandes aux gens tous les lundis matin de faire le to-do list, d'éloigner les distractions et de bosser sérieusement? Et je vais vous dire en substance ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi je crois que c'est important de le dire parce que au lieu de donner des conseils aux gens, il faut leur dire exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avancer, pour s'améliorer. Parce que moi, je rêve en fait d'une génération qui prospère, d'une génération qui excelle. Okay? Mon but, c'est d'avoir une nouvelle génération de nouveaux directeurs généraux qui n'ont pas 55 ans, 65 ans, non, des directeurs généraux qui ont 39 ans, 40 ans, 41 ans maximum. Okay? Et si je commence à bien travailler, que si je suis mon programme normalement à partir de cette année-là, mon but est que des gens commencent à avoir 30, 31 ans et soient déjà nommés directeur général. Il me dit, waouh, mais comment est-ce que c'est possible? Je lui dis, mais en fait, il faut comprendre, quand les gens rentrent dans une entreprise, ils perdent beaucoup de temps inutilement. Ils perdent beaucoup de temps parce que, de façon classique, on va vous dire, vous avez une période d'essai de 3 mois. Donc les gens, en fait, ils se donnent 3 mois pour pouvoir montrer qu'ils ont de la valeur, pour pouvoir montrer qu'ils sont performants. Okay? Vous allez trouver beaucoup de livres qui parlent de les 100 jours, comment réussir ses 100 premiers jours à un nouveau poste, etc. Comment réussir sa prise de poste. Pour moi, mais j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Intégrator. J'en fais pas trop la promotion, mais peut-être qu'il faut que j'en fasse la promotion. Mais ce livre-là explique qu'est-ce que vous devez faire en fait quand vous arrivez pendant les 100 premiers jours pour montrer que vous êtes déjà arrivé. Et parce qu'à la fin de la période d'essai, les gens vont se poser la question, mais le gars, il a apporté quoi concrètement? Et votre supérieur hiérarchique doit être capable de dire, voilà ce que le gars, il a apporté. Okay? Et pendant longtemps, je raisonnais avec cette logique-là. Non, bon, il faut faire 3 mois, 3 mois d'essai, 3 mois d'essai, 3 mois d'essai. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi on doit attendre 3 mois? Pourquoi on attend 3 mois pour montrer qu'on est bon? Pourquoi on attend 3 mois pour montrer qu'on est performant? Et en fait, moi, j'ai commencé à raccourcir ce temps-là. Donc, au lieu de 3 mois, moi, je me donne juste 1 mois. Donc, au bout d'un mois, je dois pouvoir avoir démontré que je viens d'arriver et que j'ai apporté une vraie valeur ajoutée. Avant que le premier mois ne finisse, je dois avoir réalisé au moins 2 choses marquantes. Et mon supérieur hiérarchique doit être capable de dire à n'importe qui dans l'entreprise, que ce soit le DG, que ce soit n'importe qui, voilà ce que le gars-là, il a apporté dans l'entreprise depuis qu'il est arrivé, en 1 mois. Donc moi, je me suis rendu compte que, mais là, on te dit, bon, on va prendre une semaine pour ton intégration, tu attends 3-4 jours avant d'avoir ton ordinateur, après ça, on te dit, bon, il faut que tu passes visiter les autres directions, et ça va te prendre une semaine, 2 semaines, etc. En fait, parce que les gens pensent que tu as 3 mois. Non, moi, je n'ai pas 3 mois. Moi, dès que j'arrive dans une entreprise, dès la première semaine, rapidement, je boucle avec cette affaire d'intégration. Dès la première semaine, dès le premier jour, dès le lendemain, je demande quels sont les gens avec qui je vais travailler directement. Quels sont les gars avec qui je dois travailler? Ah, je dois travailler. Ok, directement, je vais le voir. Bonjour, monsieur, je suis tant, tant, tant. Je suis Vincent, je suis à tel poste, etc. On m'a dit qu'on doit travailler ensemble. J'ai juste besoin de 15 minutes pour que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce que vous faites concrètement et comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Et là, rapidement, les gars viennent, ok, bon, moi, je fais ça, j'ai besoin de ça, 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 ok, d'accord, je pose mes questions rapidement, automatiquement, en 3-4 jours, j'ai fini de faire mon tour, je sais qui est qui fait quoi, qui a besoin de moi, de qui j'ai besoin, avec qui je peux faire parler, avec qui je ne peux pas faire parler du tout, comment est-ce que je m'intègre? Automatiquement, je commence à prendre, envoyez-moi, faites-moi ma passation de tâches, faites-moi ma passation, donnez-moi mon dossier de passation. Dès que je suis automatiquement, je commence à lire mon dossier de passation. Quels sont les dossiers qui étaient en cours? Je commence à maîtriser, mémoriser dans ma tête les dossiers, les chiffres. Tel dossier, voilà, tel chiffre, telle performance qui a été réalisée, etc. Je commence à mémoriser de sorte que quand on commence, je participe aux réunions, je suis capable de donner les chiffres. Et les gars sont étonnés, mais attends, tu viens d'arriver, ça fait 3 jours, tu viens d'arriver, ça fait 1 semaine, comment tu connais les chiffres? Mais je connais les chiffres parce que j'ai bossé les chiffres. Donnez-moi notre grille tarifaire, donnez-moi tous nos produits. Quels sont les produits que nous vendons, etc., etc. Je prends tous les produits, j'essaie de regarder quels sont les tarifs des produits, quels sont les cibles de tous les produits, j'essaie de mémoriser ça. Donc, dès que j'arrive en 2 semaines, je suis capable déjà de recommander un produit à quelqu'un parce que je connais le produit, je connais les cibles, je connais les tarifs. Et je connais ça par cœur, je ne vais pas regarder dans les documents. C'est comme ça qu'on fait pour réussir. OK? Pour réussir son intégration. Au bout de, quand vous avez fait ça, normalement, 2 semaines, 3 semaines déjà, votre manager, il est déjà convaincu que, en fait, vous n'avez même pas besoin d'attendre 3 mois avant d'être confirmé. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 mois avant d'être confirmé. Il peut vous confirmer immédiatement. Partout où je suis passé, j'étais confirmé, en tout cas, avant même que le délai n'arrive. C'est en appliquant ça. Donc, je me suis rendu compte que, tiens, ça pouvait aider quelques personnes. Et j'avais mon pack intégrateur qui était là-bas. Je sais plus, on vendait ça à combien, 15 000, 20 000, je sais pas. Je me suis dit aujourd'hui, tiens, on va faire une promo spéciale. On va permettre à beaucoup de personnes qui peut-être ont envie de réussir leur prise de poste ou qui ont envie d'accélérer leur carrière, bah, d'acheter le pack intégrateur. Pas à 10 000 ou 15 000, mais à seulement 4 000 francs. Si ça vous intéresse, il y a un lien quelque part autour de cette vidéo. Cliquez là-dessus. C'est disponible en version numérique et donc vous n'avez pas besoin d'attendre une livraison, quoi que ce soit. Dès que vous finissez de faire votre paiement, vous allez consulter votre adresse électronique, vous allez voir le document qui est là-bas. Lisez-le,
mettez en application et vous allez voir, ça va changer votre vie. Ok? Donc voilà, merci beaucoup et puis très bonne semaine. Et puis on n'a pas le temps à perdre. On doit avancer dans notre carrière. Bye bye.